et 3 rugbymen on the rocks. Un Toulousain révolutionne le système d'eau et de glace pour éviter les courbatures. Les sportifs ont l'habitude de plonger leurs jambes dans une poubelle remplie d'eau et de glace pour enlever les hématomes et soulager les contractures d'après-match. Un Toulousain vient de révolutionner ce système. Son invention, une piscine gonflable, transportable, équipée d'un refroidisseur d'eau qui permet de régler la température au degré près. On avait une eau qui était en haut qui était très glacée, donc très, très agressante. Et en bas, au niveau des mollets, là où il faut aller, que la température soit le plus froide, c'était là où c'était vraiment le plus chaud. Donc on avait un gros problème. Grâce au système de circulation d'eau, nous on a une température qui est homogène partout, ce qui permet évidemment un meilleur traitement et une maîtrise réelle de la température. Il y a un passage pour les hommes qui est très difficile. Passer ce cap, ça va osifier, il faut beaucoup respirer, puis osifier rapidement. L'équipe de France de foot a déjà emmené deux de ses appareils en Suisse pour l'Euro 2008, et les fédérations françaises de rugby et d'autres sports collectifs pensent s'équiper pour les Jeux Olympiques de Pékin. Espérons que le système servira surtout pour mettre le champagne au frais, plutôt que pour soigner les hématomes.